Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur The Division 2. Oui, on commence sur la map parce que je vais parler un petit peu de farming dans cet épisode. Mais sachez deux petites choses. Je suis complètement à l'ouest parce que je tourne excessivement tard, je manque de contenu, donc je tourne. Et je vais vous proposer une solution pour essayer de farmer correctement. J'ai fait un essai précédemment que je vais pas publier parce que la vidéo ne me va pas. Ce que je vais vous expliquer, c'est que c'est déjà une question de chance. Ça dépend de ce que vous voulez jouer, ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, là, je suis avec mon stuff pyromane classique que vous retrouvez dans les hors-série. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un truc que j'ai drop tout à l'heure. Ouais, hop. Non, c'est pas ça. On s'en fout. On verra bien. Donc, en gros, ce que je vais vous montrer, c'est le farming en exploration. Les missions ne me servent à rien. Pourquoi les missions ne servent à rien? Prenons le siège de la banque en invasion. On le prend en héroïque. En héroïque, c'est la difficulté max. En difficulté max, il drop 5, 6, 7, 8 objets légendaires, dont un spécifié, plus un équipement vert. Vous avez plus de chances de dropper la même chose plus rapidement en exploration. Via les primes, si vous vous foutez du stuff que vous voulez dropper, si vous voulez pas un stuff spécifique, ou via les points de contrôle. Les points de contrôle, en général, ça dépend de la chance, mais si vous avez vraiment de la chance, pour un point de contrôle niveau 4, c'est une pièce spécifique. Et c'est pas difficile à farmer. Un build de base qui tourne à 1 million de DPS, avec le M4, ça suffit. Je parle du M4 parce que le M4 a une cadence de tir excessivement élevée, il vide les balles à une vitesse absolument folle, et ça pose des problèmes quelquefois. Pas beaucoup de vie, là j'ai pas spécialement de vie, j'ai 65 000 de vie pour 180 000 d'armure, mais j'ai un bouclier à 600 000. Je joue compétence. Bouclier lanceur chimique. Et là, très rapidement, on devrait obtenir plus d'armes légendaires, et une verte si on va dans la zone pour les vertes, que dans... Bonjour madame. Que dans la mission en héroïque. Clairement, c'est pas difficile. Et en moins de temps. Si j'ai pris le bon point de contrôle, ce sera moins de temps. Sachant que j'ai fait un essai en héroïque sur une mission classique sur la chaîne. Vous l'avez en galère de mal. Faut que je me rapproche pas. Ah, oui, bonjour monsieur. C'est à cause de toi qu'il y a du merdier. Déjà, je suis à deux. J'ai pas commencé à farmer que j'ai déjà deux pièces. Et en... 2 minutes 53. 2 minutes 53, j'ai un tiers de ce que nous propose une mission. Je sais qu'il y a plus de drops, c'est exactement les mêmes conditions. Mais je parle des. Là, il y a les boss, il y a quelques petits trucs. Pour moi, ça reste plus intéressant de fermer comme ça. C'est plus simple. Parce que dans la mission en héroïque, vous allez galérer, vous allez mourir, vous reviendrez au début, il va falloir tout recommencer. Ok, il y aura plus de pièces, mais les boss ne vous trompent pas plus. Puisque vous mourrez un boss, vous mourrez un boss, vous avez. Enfin, vous tuez un boss, vous mourrez par les ZAD qui est à côté, vous n'aurez pas le relou du boss si vous revenez. Clairement, vous faites niquer, quoi. Donc ça sert à rien. Bon, après, moi, je garde aucune pièce parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Quoique, le 321, je vais peut-être le garder. Hop. Donc là, en théorie, en 5-6 minutes, je suis à 4 pièces. Quoi. 3 à 4 pièces. Et je me fais pas chier, là je fais pas un truc difficile. Après, j'aurais peut-être pas de pièces spécifiées, clairement c'est une question de chance. Les armes exotiques, c'est une question de chance. Pour les armes exotiques, l'idéal c'est de farmer les petits coffres, c'est ce qui marche le mieux. Les coffres de loot, en fait les coffres d'armes que vous croiserez régulièrement. Même si dans les coffres verts classiques vous avez beaucoup de chances d'obtenir des violettes, vous avez des chances d'obtenir des exotiques. J'ai fait une vidéo dessus de la progression. Oui, je parle beaucoup des autres vidéos parce que je pourrais pas tout montrer dans cette vidéo là. Mais depuis les dernières mises à jour, vous avez une chance assez importante d'obtenir des exotiques. Ce qui est pas dégueulasse. Si on compare au premier, le premier avait une chance de cocu. Enfin, c'est pas une chance de cocu, mais c'était une chance. Assez importante de loot des exotiques. Ou au moins d'en avoir. Puisqu'on pouvait tout simplement en acheter. Passage en manuel. Bon, arrêtez de jouer petit bras.
Et pour vous aider au farming, faites-vous plusieurs builds. Là, je joue un build stable, qui est pas difficile à jouer, ça se passe bien. Mais si j'étais en plus grande forme, je pourrais jouer sniper par exemple. Ce serait fun, c'est très très fun. Mais j'ai pas envie. Donc, allez, trois pièces en comptant un boss et voilà. Trois légendaires qui étaient, dont une qui était pas dégueulasse, que j'ai death par erreur. Parce que bon fou en fait. Eau potable à proximité. Après, pour obtenir des pièces spécifiques, c'est plus compliqué. Quand je parle de pièces spécifiques, je prends par exemple un masque Providence à 53. C'est pas tout à fait possible. Faut prendre un masque Providence avec la puissance de compétence, en mon cas, et le capacitif. Et derrière, faut prendre un masque qui va vous proposer 50 de dégâts aux ennemis d'élite. Alp Summit ou Héraldis, selon ce qu'on m'avait annoncé en commentaire sur la chaîne. Vous prenez l'un ou l'autre, vous avez une chance assez élevée d'obtenir d'obtenir ce genre de masque. Là, en une séance, il n'y a pas longtemps, j'avais réussi à drop 3 Alp Summit, 45, 46 et 50. La séance précédente, j'avais obtenu un 50, un 53 et un 51. Quoi. Ça semble très vite. J'ai pas testé d'Héraldi, donc je peux pas vous le confirmer. Regardez ce qui tombe, testez. Allez dans une zone où les masques drop et vous voyez ce que vous pouvez obtenir. Si vous voyez que vous avez des Héraldi qui fournissent du 50+, vous formez dans une zone à Héraldi. Si vous voyez qu'il y a du Alps, faites du Alps. Moi, ça, je suis allé dans une zone au Alps parce que j'en avais déjà droppé un et ça a excessivement bien marché. Détection d'un site protégé par des ennemis. Après, en pièces spécifiques, les zones de drop de verre, je sais plus comment ça s'appelle ces pièces. Pas des exotiques, c'est pas des spécifiques, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, des pièces vertes. Vous avez des grandes chances de les dropper. Après, je vais continuer avec les exotiques, en essayant de ne pas trop me déconcentrer du jeu. Les exotiques, vous avez des chances de les drop partout. Avant, pour drop l'inflexible, il fallait faire le Potomac Event Center en extrême ou plus, en extrême. Il fallait faire la forteresse en extrême ou des trucs comme ça. C'était excessivement cher. Maintenant, vous vous baladez, tranquille, vous avez une chance de les drop. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et si vous voulez avoir encore plus de chance, vous partez en DZ. Parce qu'en DZ, vous n'êtes pas tout seul. Et si vous êtes bon en PvP, si vous avez un stat qui est à peu près viable en PvP, vous avez une chance de récupérer les exotiques des autres joueurs. Donc clairement, c'est rentable. Et surtout si vous êtes dans une zone avec un loot spécifique qui correspond à l'exotique que vous avez. Enfin, l'exotique que vous cherchez. Moi, par erreur, je suis tombé sur une des aides qui proposait des fusils mitrailleurs, des grosses tratraillettes. Je suis tombé sur une pestilence, un Nemesis en 35 minutes. Exactement. 35 minutes parce que j'avais ce build là, je tombe sur deux Italiens ou... Non, c'était après les deux Italiens. Je tombe sur un joueur ou un renégat, je sais plus, j'arrive derrière, je le bute. Il drop un Nemesis. Et juste avant, je venais de drop une pestilence, donc j'ai fait une extraction à deux exotiques. J'ai eu un coup de chance parce que le renégat était pas loin. Qu'est-ce que je dois faire moi maintenant? Ah oui. Et aussi, autre astuce, téléportez-vous. Ah, je me suis fait niquer. Ah, je me suis fait niquer. Je déteste quand ça me tue ça. Ah. Si vous avez pas de chance, ça vous fait ça. En gros, vous avez des débiles de pinch qui attaquent au moment où vous essayez de farmer. Et bien sûr, je m'en aperçois toujours au dernier moment. En général, c'est quand j'ai fait point de contrôle que j'ai pas de loot. Changeons de point. Parce que là, c'est niqué. Là, clairement, je vais faire passer deux, ça sert à rien. On va essayer d'avoir de la chance sur le deuxième. Je suis dégoûté. Ah, ça me fait chier. Ça. Les trois derniers points de contrôle que j'ai fait, les trois dernières vidéos, ça me l'a fait au 3. Sans compter celle-là. Donc là, c'est la quatrième. Et... ça me fait chier. Changeons de zone. Enfin, changeons de zone. Changeons de point. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5... Et 6. Allez, les débilus. Oh ben. C'était vite fait. Le technicien est ultime pour savoir. Vous avez les munitions du technicien. Ça se passe très bien.
Donc timing, je suis à 10 minutes de jeu, je sais pas si j'ai fait une pause. Et en gros... Ah oui, non, 10 minutes, 10 minutes de la vidéo, j'en suis à 2 pièces. Je compte pas les premières. Ou alors si, je compte les premières et j'en suis à 4. On verra bien. Mais en gros, j'en suis, on va dire, allez, 4 légendaires en comptant 10 minutes de farm. 10 minutes de farm parce que je me suis planté. Non, 5, pardon, 5. Bon, j'ai plus de place nulle part, donc je peux pas stocker, c'est pas grave. Mais 5 légendaires, donc déjà, je suis arrivé au même point que la mission. Que la méga mission. J'ai pas eu de spécifique, manque de chance. Ça, ça arrive. Et d'ailleurs, attendez, je peux juste vérifier un truc, parce que je crois que c'est de l'arnaque, ça. Je crois que c'est une arnaque à la Ubisoft. Ah non. Non, c'est pas une arnaque à la Ubi. Non, effectivement, il y a une arme spécifiée qui tombe dans les... dans les héroïques, mais c'est tellement chiant à faire. Site protégé par des ennemis. C'est excessivement chiant à faire. Donc moi, je vous conseille ça, c'est le plus simple. Il n'y a pas de réelle difficulté, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus simple. Là, si je vais à la patrouille, je le passe niveau 4 et puis c'est gagné, quoi. Et voilà, si vous commencez... Des fois, vous avez de la chance, vous tombez sur une patrouille et en 5 minutes, vous êtes sur un point de contrôle niveau 4 que vous pouvez finir en 20 minutes. Donc, en une demi-heure, vous obtenez toutes les pièces que vous obtiendrez dans une mission en héroïque classique. Et je peux pas conseiller mieux parce que le point de contrôle est beaucoup plus simple. À proximité. Le point de contrôle sera beaucoup plus simple qu'une mission en héroïque puisque vous avez les pinches qui peuvent vous raise quand vous êtes en solo. Si vous êtes en multi, faites les missions, ce sera plus rigolo. Point de contrôle parce que les points de contrôle au bout d'un moment c'est excessivement chiant, ça je le cache pas. Comme le jeu au bout d'un moment, clairement le jeu est intéressant, le jeu est bon, mais au bout d'un moment, quand il n'y a pas beaucoup de mises à jour, le jeu devient chiant. Moi, au bout d'un moment, quand ils n'ont pas sorti de mise à jour de 2 mois, quand j'ai bien épuisé le contenu qui est proposé dans la dernière mise à jour, dans l'épisode 2 en l'occurrence là, et la mise à jour de Noël, là j'ai arrêté le jeu. Allez, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ouais, donc là, je suis à 10 pièces légendaires en 13 minutes de farm. Dans la mission en héroïque, vous n'êtes même pas sûr d'obtenir. Regardez le début de mission en héroïque que j'ai fait. Les pinches que j'ai butées, j'ai pas eu beaucoup de drops. J'en ai eu très très peu. C'est de la chance aussi. Mais c'est plus simple de farmer comme ça. Vous avez plus de chances d'obtenir du bon stuff qu'en farmant des missions en héroïque. De contrôle ennemi, je suis pas contre le principe d'avoir rajouté des missions en héroïque, mais déjà j'aime pas les black tests, j'ai du mal avec eux parce qu'ils sont excessivement chiants. Moi je suis rentre dedans quand je joue, je suis très rentre dedans. J'adore les fusils à pompe. D'ailleurs, je peux passer avec mon fusil à pompe. Ah putain, c'est vrai, c'est chiant ça. Par contre, 6 000, 5 000, 3 000, 4 000, 9 000, ah c'est pas mal ça. Ok, 105, 67, ça, ça dégage. 69, oh, tourelle, il est pas dégueulasse. Dégage, clairement. Bouclier, on peut le garder. Bouclier impulsion, faut que je les garde, j'en ai pas assez. Ça, ça peut dégager. Il est possible que vous entendiez des grondements ou des trucs. D'ailleurs, j'ai relevé un peu mon micro, moi. Le micro est trop gros pour le pied. Mais c'est-à-dire que le pied du Blue Yeti coûte un peu 90 balles et j'ai pas envie d'y mettre dedans. Hop. Merde, est-ce que c'est le bon? Je crois, ouais. Je sais plus. Je sais plus si c'est le bon stuff. 31, 29, c'est peut-être...
Comment je suis à 5 sur 100? Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Quoi encore? Qu'est-ce qui est plein? T'es chiant là le jeu, t'es chiant. Ah putain, ça m'a ramené le maxime 9. Je viens de comprendre. Débilus. Débilus numéro 1, c'est qui? Bibi. Transmet les électrocutions, j'en droperai. Pourquoi j'ai ça? J'ai un paratonnerre. Tu es une cible qu'on fait. Pourquoi j'ai un paratonnerre? Qu'est-ce que je fais avec un paratonnerre? Ouais, ça ce sera mieux. Je suis en quoi là? Je joue quoi? Qu'est-ce que je joue? Trop patriote. Ah oui, c'est mon trop patriote. Ok, vu. Ah, clairement, ça peut être rigolo ça. Faut que je fasse gaffe. J'ai pas de puissance ou compétence. Ressources. Faut que je joue d'une manière moins débile. Ça va être compliqué, je vous promets, mais on va y arriver. Ou alors je joue encore. Ou alors je joue encore plus con en fait. On va jouer encore plus con, on va jouer sniper. C'est débile, je joue très très mal, surtout à cette heure-ci. Bon, de toute façon j'ai une chance sur deux pour pouvoir changer. Finalement, ça va. Ah, c'est le Noob Motel, c'est ça? Détection d'un site protégé par des ennemis. Ah, je l'aime pas celui-là. Un niveau 4, il est excessivement chiant celui-là. Faut choisir son point de contrôle, clairement. Le Noob Motel est très difficile. C'est pas le plus dur, parce qu'il y a des points sympas, mais il est très difficile. Parce que quand on est en haut, on a des super points de vue. Renfort en approche. Il est fort probable que je meure avant que l'épine j'arrive, ça m'arrive très très souvent. Aïe, j'avais pas vu celui-là. J'ai des bestioles qui sont en train de se friter dans mon plafond. Je dis pas le boucan que ça fait. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Il a essayé de faire quoi ce compte pin? Oui Nemesis. Destruction en cours. A vrai dire pour un sniper c'est pas dégueulasse ce point. Prendre des hyènes, les hyènes avec le Nemesis quand ils sont en mouvement elles sont excessivement chiant pour choper. Même avec le sniper, pour moi qui suis très mauvais au sniper, on va attendre qu'il s'arrête ce coup. Non mais tu vas arriver en Chine Maurice. Non mais arrête toi Maurice. Maurice t'es en train de sortir ton point de contrôle. Bon bah lui il est parti. Parti à Chaille les bains. Oh, j'ai loupé celui-là. Comment il me vise aussi bien avec? Touché. Ennemi lourdement blindé détecté. Ouh. Sniper versus sniper. Il y a un vrai sniper contre moi. Si j'y pense, si je trouve une méthode pour mettre un minuteur, là je joue pas en. Je joue pas en opti parce que je suis sur un stuff qui est très lent. Clairement le sniper est excessivement lent comme stuff. Mais je mettrai un minuteur pour que vous voyez à peu près le temps que ça m'a pris avec un stuff lent de faire un point de contrôle niveau 4. Ah oui mais Défendre ou ils attaquent?
C'est le bordel. Convoi de ravitaillement ennemi à proximité. Ah, il y a un convoi en plus. Là j'ai de la chance parce que quand je joue sniper je suis incapable de commenter. Et à partir de cette heure-ci je suis souvent incapable de commenter, donc là clairement j'ai une facilité. Et il faut faire gaffe aussi à un truc, au Pinge, qui ne meurt pas. Parce qu'une fois le Pinge en chef était mort, j'ai pas pensé à la raison avant de finir le point de contrôle. Niveau 1. Agent neutralisé. Oh la balle. La balle, je me suis pris la balle fatale. Occupez le Pinge. Je te couvre. Non, meurs pas. Oh non. Oh, je suis tellement mort. Ok, là, je crois qu'il va me rester une seule solution. Prier pour que ça passe. Ok, là, ça passe pas du tout. Ok, le point de contrôle est toujours en train d'être attaqué, donc ça devrait marcher. Putain, mais ces bestioles, je supporte plus ces bestioles. Accès à la zone de sécurité. Si vraiment, si un jour vous avez la malchance d'avoir des loirs dans la maison, si vous n'avez pas de rats, si vous n'avez pas d'animaux, les ultrasons, je pense que c'est une solution. Faut pas y être non plus, parce que c'est pas bon, pas terrible, les ultrasons, pour la santé, on va dire. C'est pas extraordinaire. J'aime pas beaucoup ça. Ouais, on allez, peut le faire. Occupez-vous de... Soyez sans pitié. Tout sur eux. Là-bas. Gardez celui-là. Roule pas de là. Il est dédié. C'est craignant ça. Et je peux même être à couvert là, d'accord. Je me niquais par une porte. Vous avez vu ce tir ? T'as arnaqué par une porte, sans déconner. Je touche pas là, t'es sérieux ? Cette merde va m'enfler ! Je vois tes cheveux, lève la tête. Mais comment il m'a vu ? Assistance médicale immédiate nécessaire. Comment cette précision est possible ? Ok, là je peux pas changer de stuff, je suis niqué par contre. Des fois ça marche pas, mais comme ce ne sont pas des boss, au niveau du looting, c'est pas excessivement grave à vrai dire. Parce qu'ils dropperont toujours. Non, c'était pas un ennemi ça. Qu'est-ce qu'il fout le grenadier ? Prends ça ! Ah mais je suis nul au snipe. C'est une horreur, je suis tellement mauvais au snipe, c'est une honte.
Oui, pour les pins, j'y bouge pas. En fait, le Nemesis, c'est très difficile à jouer parce qu'il a un gros temps de rechargement. J'y vois plus rien. Je sais pas sur quoi je tire, j'y vois plus rien. Non mais. Mais t'en vas pas! Il va où ce con? Ah, au secours! Non mais mets-toi à couvert! C'est agent de la division. Non mais alors ça. Non mais ça c'est une horreur ce truc! Ah, il me gonfle ce bug! J'appelle pas ça un gameplay, j'appelle ça un bug de merde. Et Ludivine fait toujours le taf. Ça va péter. Le grand bâton d'Ekim est très bien. Mais il a des défauts. Je vais les contourner. Là j'arrive plus à jouer, là c'est fini. Merci. Dans un certain moment le snipe il bouge plus. Il est où mon pinge? Comment j'ai loupé celui-là, mais quel con! Il est où? Donc clairement, j'ai fait de la merde. Mais ça m'a pris sur le record une petite demi-heure. Petite demi-heure, c'est le temps que je mets avec un vrai stuff rush. Pour faire une mission en extrême. Accès à la réserve. Et je loot en tout. Donc là j'avais looté déjà environ 5 pièces. 7 pièces en tout, pardon. Depuis le début de la vidéo, avant de compter celle-ci. Et on va commencer d'en bas et on va remonter. Je ne compte pas les pièces spécifiées, puisque là en exploration c'est vraiment, ça dépend vraiment de la chance que vous avez, de ce que vous lootez. Donc 8, 5, 7, ouais, non, 9 pardon, ça va être 10. Je regarde même pas. Petrov, je ne les joue pas. 11 là-bas. Plus les pièces qui m'attendent dedans. Donc clairement, pour le drop un maximum d'armes, c'est le plus rentable. Vous alternez avec les primes pour changer un petit peu de gameplay. Et c'est rentable, il n'y a pas à chier. C'est pour ça que le PVP... Pour moi, à part juste pour s'amuser en PvP, il ne sert à rien pour le jeu. Pour le farming, c'est ça. Pour le farming, c'est la carte. Les missions sont pas assez rentables. Et le niveau de difficulté par rapport à la rentabilité est... Comment dire? L'écart est trop grand. Il y a trop peu de loot pour une trop grande difficulté. Là, ce que je loot ici, c'est plus important que ce que je loot en mission pour beaucoup moins de temps et la difficulté est la même. C'est en héroïque. Surtout qu'il y a... Un gros point quand on est en solo, je parle bien sûr toujours du solo parce que je joue qu'en solo sur The Division 2, j'ai très peu d'expérience en multi, en coop, je veux dire bien sûr. Donc en solo, c'est beaucoup plus simple de faire les points de contrôle niveau max. Après c'est sûr qu'au bout d'un moment il n'y en a plus, il n'y en a plus beaucoup. Mais c'est plus rentable, surtout qu'entre les points de contrôle, vous y allez à pied, vous avez ces coffres. Et ces coffres, si vous avez vraiment beaucoup de chance, vous lootez de l'exotique. Si vous voulez changer, vous partez en DZ. En DZ, vous avez de la chance de looter l'exotique. Si vous avez les bonnes armes en plus, vous avez tout ce qu'il faut. Et là, donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. J'ai quasiment triplé ce que me donne une mission en héroïque. En une demi-heure. Alors que en une demi-heure, si on n'a pas le bon stuff, si on n'est pas 4, en héroïque, ça passe pas. Une mission en héroïque, ça passe pas en solo. Enfin,
Enfin, moi, j'ai pas réussi à la passer en solo, en tout cas. Surtout que c'était pas la plus dure, c'était le Potomac Event Center que j'ai fait un nombre de fois important en extrême. J'ai fait en boucle. Donc, non, clairement, l'émission héroïque ne sert à rien. Surtout que c'est les Black Tusk. Et les Black Tusk sont plus difficiles à gérer que les autres. Bon, là, j'ai rien de drop de réellement intéressant, mais parce que j'ai pas ce que je veux. Mais si vous jouez, je sais pas, récup de compétences, là, il y a deux pièces. Déjà, il y a deux bonnes pièces. Pour moi, il n'y a rien parce que je n'ai besoin de rien. J'ai mes builds qui tiennent le coup. Après, si vous voulez drop buvet, en fait, le truc, c'est vraiment d'être patient. Même pas de savoir ce qu'on veut. Parce que savoir ce qu'on veut loot, c'est pas intéressant. Là, admettons, je veux loot les gants exotiques sur les Black Tusk. Je vais pas chercher à les loot, ça me sert à rien. J'ai cherché à les loot avant cette vidéo, plusieurs fois. Il y a quelques mois, il y a deux mois, je crois que j'ai fait des grosses séances de farm intensif. J'ai fait cette mission là en extrême, le camp White Oak en extrême, en invasion et hors invasion. J'ai pris les points de contrôle en héroïque dans les zones à Black Tusk. J'ai pris, enfin pas les points de contrôle, les primes Black Tusk en héroïque, etc., etc. Je ne les ai jamais loot. C'est une question de chance. Faites les missions classiques, enfin faites les missions classiques, pas obligé. Faites l'exploration classique, faites les primes. Si vous voulez faire des missions d'invasion, faites-les, on sait jamais. Pas en héroïque, en extrême, ça suffit. Et vous avez plus de chances de loot les pièces exotiques que vous cherchez qu'autre chose. Il y a des pièces exotiques qui se looteront très facilement, le P90. Très facilement, c'est un gros guillemet, puisque ça dépend des loots que vous aurez dans les coffres. Mais là, le plus simple pour farmer, en gros, c'est les points de contrôle. Les points de contrôle, pas les missions, pardon, je me mélange les pinceaux. Les points de contrôle, les primes, pour changer un petit peu, et la DZ, pour changer un petit peu. Et ces trois points-là, avec ces trois points-là et avec la map ciblée, vous aurez du meilleur butin. Là, vous avez une chance d'obtenir moins d'expérience, c'est un par heure à peu près. C'est un bulletin spécifié par heure. Enfin, spécifié, c'est ça. Du butin ciblé, ça dépend de la zone où vous allez. Les primes, comme c'est dans plusieurs zones, vous avez moins de chances d'obtenir le butin ciblé que vous voulez, mais vous aurez plus de diversité dans le butin, donc c'est peut-être plus rentable. Ça vous permettra de découvrir quel est le meilleur butin dans telle capacité, etc. Je ne fais pas avec des fiches, pas intéressant, je découvre, plus rigolo. Donc moi, si je peux vous conseiller un petit truc pour farmer peut-être un peu plus vite, c'est pas obligé, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, mais moi, selon moi, ce que j'ai essayé de vous montrer dans cette vidéo, c'est que ça se farme facilement, c'est faisable. Et c'est plus faisable que certaines missions. Les missions héroïques, c'est pas faisable pour moi. Sachant que j'ai pas le meilleur stuff. J'ai un stuff qui est rigolo à jouer. Avec ça, j'y arriverai jamais en héroïque. Déjà que je one-shot pas un ennemi classique, alors là, imaginez en héroïque ce que ça donne. Donc le plus simple reste de faire le point de contrôle. Avec un stuff qui est pas ultra opti, c'est ça. Après, c'est vrai que la DZ c'est très fun. Ça peut être tellement débile des fois. Et je répète encore, c'est que je n'impose rien dans The Division 2, je propose. Si vous avez de meilleures solutions, mettez-moi les en commentaire. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, de toute façon. Là, c'est juste un essai parce que je manque de contenu. Je manque de contenu, donc j'essaye de tourner quelques petites choses. Je présenterai une autre version un peu plus complète, un peu plus claire, d'ici quelques temps. En espérant qu'il sorte une mise à jour d'ici là, parce que le jeu, j'arrive plus à y aller dessus. Là, la vidéo finit, je quitte le jeu. J'ai pas d'intérêt à rester dessus. Parce qu'il y a rien en fait. Là j'ai plus rien à faire. Par farmer en boucle les mêmes choses pour obtenir peut-être du stuff que j'ai déjà. Non, c'est pas la peine. Là vous voyez ce que j'ai jeté pendant l'épisode sur 17 gros drops, une vingtaine de gros drops, il n'y a rien. J'ai rien gardé. Parce que j'ai besoin de rien. Donc ouais, faites les explorations, voyez les pièces qui vous manquent. Après, si vous avez une mission qui vous plaît, faites-la. Je ne veux pas vous interdire de faire des missions. C'est moins rentable pour moi. Parce qu'en difficulté au-dessus d'extrême, c'est pour moi pas faisable. Sachant que j'ai fait les plus gros essais avec ce stuff-là, qui est mon meilleur stuff. Qui est le plus jouable, à vrai dire. Puisque j'ai, si je prends un bouclier activé, je dépasse le million de vie. J'ai 700 000 de vie, 900 000... non, même pas, je suis juste en dessous du million de vie. En comptant l'armure, la santé, le bouclier. Si je compte la régène en plus,
je me suis fait poutrer en héroïque, mais à une vitesse. J'ai perdu toutes les munitions, j'avais plus rien, donc clairement l'héroïque, pour moi, c'est pas intéressant. À part un point de contrôle. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, à vrai dire. Si jamais vous avez des objections, indiquez-moi-les en commentaire. Essayez d'être constructif, par contre, ça m'aide. Ça m'aide au moins à trouver des réponses, déjà. Parce que message, c'est de la merde, moi, je... Clairement, je l'ignore. Ou alors, si c'est vraiment trop insultant, comme j'ai déjà eu, je supprime. Direct. C'était sur une vidéo The Division 2, j'ai eu un problème sur une vidéo. Il y a un rageux qui était pas content, il était insultant dans le commentaire, j'ai dit 5 minutes, le commentaire il avait dégagé. Ça m'est arrivé une seule fois et ça m'a pas plu et j'aimerais bien que ça me reste. Pourquoi je dis ça moi? Putain, mais faut que j'arrête de tourner, j'ai 5 heures du match, je vais me coucher moi, ça ira mieux. Donc bah les gens, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, moi je vais me coucher, clairement je suis en train de dérailler complet, je fais plus rien. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo The Division 2 en priant pour qu'il y ait une mise à jour d'ici là. Pour que j'ai de contenu, parce que là j'ai plus rien, j'ai même pas de nouvelles spécialisations. Ah mais d'ailleurs j'ai une enquête à publier moi. Oh mais ça va être excessivement chiant à monter. Bon, assez de tergiversation, on se casse. Allez les gens, à la prochaine. Et n'oubliez pas, si vous avez des astuces, si vous avez des trucs intéressants, si vous avez des pièces par exemple, hein, pour les masques, pour avoir du 50+, à un moment je savais pas comment trouver. Coup de chance, avant de publier la vidéo où j'en parle, je tombe sur du Alp Summit 50+. Et sur le jour où je publie la vidéo, j'ai quelqu'un qui me met en commentaire, je sais plus le nom en tête, là, vu l'heure qu'il est, je suis à l'ouest. Moi j'ai drop du Heraldi en 50+. En une heure, j'en ai drop 3. C'est, voilà, Heraldi, Alp Summit, selon les infos que j'ai, c'est rentable. Heraldi, j'ai même pas essayé d'en drop, donc je peux pas vous le confirmer. Mais ça dépend de ce que vous cherchez, regardez. Et si vous avez des astuces, si vous avez des pièces intéressantes à looter, par exemple pour un... Tac tac tac. Si vous avez un torse avec le plus de 13 ennemis de dégâts des armes qui se loot d'une manière viable, enfin du plus de 12 quoi, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Comme ça on partage aussi les infos et je republierai une vidéo où je partagerai les infos. Si ça vous intéresse, faites-le. Moi au contraire, c'est avec grand grand plaisir que j'accepte les commentaires. Tant que c'est constructif et que c'est pas trop insultant non plus. Après, si jamais un jour je suis tenté par une connerie, oui, je vous le ferai savoir. Du style max de pouces rouges ou une connerie comme ça. Ça, je ferai une vidéo spéciale pour ça. Spéciale connerie. Mais ce sera pas pour tout de suite. Et je le ferai sur un autre jeu surtout. Pas Division 2, il n'y a pas assez de conneries dans ce jeu. Tabs, ce sera très bien. Équipe rouge, équipe bleue, ce qui parie sur l'équipe rouge. Pouce rouge, ce qui paraît faire l'équipe bleue, pouce bleu, ce sera très bien ça. Voilà, c'est un projet. Et donc pouce bleu pour soutenir le projet. Et à la prochaine.